faire sans la foi. On ne peut pas croire en Dieu, car il y a tant de mystères qu'on ne pourra jamais percer. La foi, c'est croire en ce qu'on ne voit pas, croire à ce qu'on ne comprend pas. C'est rester dans l'humilité face au grand mystère de la création. La foi ne vient pas de nous, mais de Dieu qui nous en fait cadeau, toujours aux petits enfants, sûrement pas à l'homme rationnel. On ne pourra jamais prouver l'existence de notre Créateur. Pourtant, pour qui a la foi, dans un brin d'herbe il le verra. Comment croire que tout l'univers, que la beauté de notre terre, ne soit que le fruit du hasard? Franchement les gars, réveillez-vous. Hein, vous qui ne croyez pas, Dieu vous appelle sans cesse. Il veut vous faire le cadeau de la foi qui vous délivrera de vos petites vies tout étriquées, prisonniers de l'esprit du monde et de cette soif qui vous étreint d'espérance en une vie meilleure. Ce n'est pas nous qui choisissons Dieu, mais bien le contraire qui se produit. Il suffit qu'il voie en nous l'étincelle pour qu'il allume le feu. Mes frères, il faut peu de choses pour que Dieu nous fasse cadeau de la foi. Mais il faut ce peu de choses, sinon quel mérite aurions-nous? Mes frères, il est beaucoup plus facile de croire en Jésus s'il est parmi nous. De nos jours, ce n'est pas chose aisée, ainsi notre foi est plus méritoire. Celui qui a la foi passe pour un faible, un pauvre type qui n'a pas d'épaule. Mais sa maison, Dieu la voit du ciel, et dans sa vie, il fait des merveilles. Mes frères, qui a vraiment la foi, pourrait déplacer une montagne. J'ai la foi, donc je le crois, mais pas encore assez pour y arriver. Hey, vous qui ne croyez pas, Dieu vous appelle sans cesse. Il veut vous faire le cadeau de la foi qui vous délivrera de vos petites vies tout étriquées, prisonniers de l'esprit du monde et de cette soif qui vous étreint d'espérance en une vie meilleure. Hey, vous qui ne croyez pas, Dieu vous appelle sans cesse. Il veut vous faire le cadeau de la foi qui vous délivrera de vos petites vies tout étriquées, prisonniers de l'esprit du monde et de cette soif qui vous étreint d'espérance en une vie.